Bienvenue à Abbeville. Abbeville, c'est le chef-lieu de la région de la Niébitiassa. Donc, nous sommes à nouveau ici à Abbeville pour vous présenter encore les sites dont nous disposons. La promotion vacances continue. Bienvenue sur Téléafrique. Téléafrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Je suis Dadou Henri-Joël Zama. Et là, on va vous faire visiter nos différents sites. Et voilà, ceux qui sont intéressés pour souscrire à l'offre promotion vacances, c'est toujours disponible. Ce sont des terrains de 500 mètres carrés. Et donc, vous avez demandé à revoir encore les images de nos différents sites. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et puis vous verrez tous les sites dont nous disposons au niveau de la ville d'Abbeville. Donc, Abbeville, c'est juste à 30 minutes d'Abidjan. Lorsque vous avez une voiture et une heure en transport commun. Voilà, nous sommes à Abbeville et là nous sommes en train de partir sur nos sites. Pour ceux qui demandent c'est à combien de kilomètres ou bien à combien de minutes là, vous pouvez chronométrer. Nous sommes en train de quitter le centre-ville et nous sommes en train de partir sur l'un de nos sites. Le site de Eddy Oye, le lotissement Eddy Oye. C'est à Erimakoudje. Voilà. C'est la campagne. Nous sommes en période électorale pour les municipalités et les régions, les élections régionales. Donc, comprenez un peu. Nous sommes à Abbeville comme ça. Ça, c'est la préfecture d'Abbeville que vous voyez ici. C'est la préfecture. Et puis, dans le drone, vous allez voir que c'est la continuité de la ville, en fait. Donc, ceux qui demandent c'est les sites sont à combien de kilomètres, vous verrez ça bien à la fin de cette vidéo-là. Voilà, sur les sites, sur le drone, avec les images du drone, vous verrez comment les sites sont situés par rapport au centre-ville. Donc, c'est une continuité, c'est l'élargissement de la ville. Voilà, on ne va pas dans d'autres villages en tant que tel, c'est l'élargissement de la ville. La ville a presque avalé les villages qui étaient juste à côté, donc tout est devenu comme quartier. Abbeville, je vous le rappelle, c'est la plus grande ville proche d'Abidjan, en Côte d'Ivoire ici. C'est la plus grande ville qui est proche d'Abidjan. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés pour la promotion vacances, ça continue. Parce que nous avons encore acquis un nouveau stock. Donc, vous pouvez toujours nous contacter pour souscrire. Voilà, pour souscrire. Ce sont des terrains de 500 mètres carrés. Que l'entreprise Téléafrique Group vous permet de payer sur 2 ans, vous payez un peu. Donc les conditions, vous donnez 125 000 francs pour les frais de souscription, plus 125 000 le premier versement, ça vous fait 250 000 francs seulement pour avoir un terrain de 500 mètres carrés. Et chaque mois, vous payez 125 000. Voilà, vous avez la possibilité d'anticiper vos paiements. Et plus vous payez vite, plus vous avez la possibilité de choisir votre terrain parmi nos terrains disponibles. Voilà. Donc vous finissez de payer, on vous donne votre terrain directement. C'est un peu comme ça. Les terrains sont livrés avec attestation villageoise et puis l'approbation. Tous nos sites au niveau d'Abbeville ici, tout est approuvé. Vous achetez et vous pouvez faire votre ACD. L'ACD, on peut le faire pour vous gratuitement, mais c'est vous qui payez tout ce qu'il y a comme dépenses. Donc, juste pour avoir une idée, après l'achat du terrain, il faut prévoir à peu près 300 à 400 000 francs pour l'ACD. Voilà. Il faut prévoir 300 à 400 000 francs pour l'ACD. Et ça, c'est à vos charges. Voilà. Et puis, voilà. Les sites commencent ici. Parce que là, vous avez Erimakoudje, le village Erimakoudje, qui est devenu un quartier d'Abidjan. Hein. Voilà. Donc les voies sont bitumées dans le village, l'eau, l'électricité. C'est carrément un quartier en fait. Voilà, c'est le village que vous voyez là, Erimakoudje, pour ceux qui connaissent Abbeville. Donc il est un quartier d'Abbeville maintenant. Voilà, ça fait pratiquement partie de la ville. Et là, à gauche, ce sont les terrains là que vous voyez. C'est le site que vous voyez ici à gauche. Donc le village. Et là, c'est l'autoroute qui sépare le village. Ça, c'est le site. Tout ce que vous voyez là, en face de moi, là, tout ça, c'est le site. Donc, il y a des gens qui ont des terrains collés au bord de l'autoroute ici.
Et nous sommes dans le sens Abidjan, c'est-à-dire nous sortons d'Agroville et puis nous partons à Abidjan. Et quand vous quittez Abidjan, c'est à l'entrée. Donc c'est le site, ce sont les terrains là qui commencent ici. Voilà. Donc nous sommes en train de partir sur le site là avec des clients pour leur remettre leurs terrains. Et là, on en profite pour faire une nouvelle vidéo pour que vous ayez au moins une idée du site en fait. Voilà. Donc là, ce que vous voyez devant là, c'est le corridor. Quand vous quittez à Abidjan, c'est le checkpoint. Voilà, le corridor à l'entrée de d'Agroville. C'est là. Donc c'est à partir d'ici même que commence l'autoroute. Et c'est là que nous avons nos différents terrains. Là. Voilà. Voilà. Donc là, je ne suis pas venu avec une voiture de chantier. Parce que là, je suis venu d'urgence puisque le client était déjà là. Il fallait que je vienne pour lui remettre son terrain. Donc on va stationner en bordure de la voie ici. Et puis on va marcher pour aller sur le terrain. Voilà. Nous sommes sur le site Eddy Oye. C'est le nom du lotissement, mais ça a été baptisé quartier millionnaire. Donc vous voyez déjà les gens qui ont commencé à construire, c'est un site approuvé. Et il y a certains de nos clients qui ont déjà eu des ACD sur leur terrain. C'est le village que vous voyez tout au fond là-bas. Et vous, si vous faites attention, vous allez voir le bitume, le goudron qui est un peu devant là où nous avons stationné. Donc ça, c'est le site Eddy Oye. C'est des terrains de 500 mètres carrés, c'est ce que nous vous disons. C'est le dossier technique qui précise. Généralement, les gens ont plus que 500 mètres carrés. Et là, nous sommes sur le site de Mucho. Ça, c'est Mucho aussi. Voilà, quand vous voyez, tout est construit déjà comme ça. Les zones où il y a beaucoup de maisons, les terrains sont beaucoup plus chers parce que c'est des zones qui sont habitées et il y a déjà l'eau et l'électricité. Par contre, ce sont les extensions. Tout ce que vous voyez là-bas, tout au fond, les gens ont commencé à construire. Tout ce que vous voyez là, les gens ont déjà acheté. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont leur terrain, qui ont commencé à construire un peu. Donc, à partir de Mucho ici, il y a... Les noms, c'est les terrains du village Mucho. Hein. Le nom qu'on vous donne des lotissements, c'est les différents noms que le promoteur donne au lotissement. Donc, vous trouverez Grand Mucho, Mucho, Mucho Résidentiel... quartier résidentiel nouveau, tout ça. Donc tout est connecté jusqu'à Eri Makouje encore. Donc c'est une continuité de la ville en fait. Regardez toutes ces constructions là, c'est pratiquement confondu au centre-ville. Le problème que nous avons en Afrique subsaharienne, c'est que les voies secondaires, les voies des quartiers généralement ne sont pas bitumées et c'est ce qui rend l'accès un peu difficile. C'est ce qui fatigue la population pour accéder à leur lieu d'habitation. Vous comprenez. Donc c'est un peu comme ça. Là-bas vous voyez le goudron, hein? Le goudron que vous voyez ici, c'est le goudron qui va à Mucho, vous voyez la voiture qui passe, c'est le bitume, la voie bitumée qui va à Mucho jusqu'à Grand Morier. Et cette voie est en train d'être transformée en 2x2 aussi. C'est sur cette voie que nous avons notre siège, notre bureau au niveau de la ville d'Agboville. Je vous avais déjà présenté le petit bureau de Téléafrique Group dans la ville d'Agboville. Et cette voie-là continue, c'est le grand village de Mucho que vous voyez devant là-bas. Voilà. Donc, tout est connecté. Et ici, c'est un autre lotissement. Ça, c'est la voie qui va à Ondoussi. La voie qui va sur l'autoroute pour continuer directement à Ondoussi. Donc, à partir d'Agboville, vous n'êtes pas obligé de retourner à Abidjan pour vous rendre à Yamsokro, non. Vous prenez cette voie bitumée, vous avez plusieurs villages. Hein. Il y a des sous-préfectures même. Vous avez Ofumpo qui est là-bas. Il y a plusieurs villages qui sont alignés jusqu'à l'autoroute. Et à partir de l'autoroute, vous pouvez aller à Yamsokro. Donc ça, c'est un nouveau lotissement aussi. Il y a déjà les poteaux électriques. Mais ici, nous n'avons pas encore de terrain. Comme on vous présente la ville, voilà pourquoi on vous présente ces opportunités-là. Nous faisons tout pour entrer en contact avec le promoteur, vérifier tout. Et une fois nous avons des sites ici aussi, on va vous les proposer. Donc tout est pratiquement confondu. Voilà. C'est la continuité, c'est pas comme si on dépasse la ville d'Agboville et puis on va à 10 ou 15 km. Non, au fur et à mesure que le dernier habitant, le dernier terrain est construit, il n'y a plus de terrain, mais les gens font des nouveaux lotissements pour élargir la ville en fait. Donc quand vous quittez sur l'autoroute par Ondoussi, ça c'est à l'entrée de la ville d'Agboville. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'offre vacances de Téléafrique Group, vous nous contactez sur le numéro WhatsApp qui est affiché là.
et on vous donne tous les détails et puis vous faites vos souscriptions. Pour ceux qui veulent se déplacer, mais vous venez dans nos bureaux. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Téléafrique.